Donc, salam alaikum. Donc, c'est de la préoccupation numéro 1 pour le Beledien Ta'iri. C'est la route qui mène de Tifilkout vers Tarzout, à Tarna Ilola Oman. C'est un chemin fait 3,1 km. Donc, c'est de la route de l'exercice 2024. On a pris en charge 2 km. Pour une estimation de 25 millions. Donc, l'appel d'offres a été lancé. L'ouverture, elle est prévue le 12 de ce mois. Le 12 mois, c'est l'ouverture pour prendre en charge les 2 km. Où les citoyens, après avoir regardé les interconnectés, ils demandent le complément qui reste, qui est 1,1 km. Il est estimé à 13 millions de dinars. Donc, s'il y a une possibilité de l'ajouter dans des programmes légers. Donc, c'est la préoccupation qui a été posée par l'ensemble des intervenants. La préoccupation numéro 2, c'est le chemin de l'Aïe de 150 ans. Donc, il traverse la wilaya de Idlib sur 28 km. En 2022, nous avons réalisé 10 km. Pour Bakr et le reste, il y a des sections qui sont en moyen état, ou il y a des sections qui sont en mauvais état. Alors, il y a un mauvais état, nous l'avons proposé. Dans le cadre de l'entretien du chemin comme un programme Gardner et Sinafi, Besh Nhezou est notre parti, ou le reste Nhezou fait le programme de Rakhinijoun. Ben Spellou, l'ouvrage de Telem Ali, l'ouvrage de l'Obstolier, je vais engager l'équipe interne par le cloud public, on va curer, on nettoyer l'ouvrage manuellement. Voilà. Il n'y a pas de mal.